Bonjour, je m'appelle Nicole. Je suis infirmière à l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique. Tu sais probablement que la Covid-19 circule et rend les gens malades. Ceux qui attrapent ce virus peuvent avoir de la fièvre, tousser, avoir des douleurs musculaires et se sentir fatigués. Ils doivent subir un test de dépistage pour savoir s'ils ont la Covid-19. Quand les médecins savent ce qui nous rend malades, ils peuvent prendre des mesures pour nous aider. Cette vidéo explique la marche à suivre aux enfants d'âge scolaire qui doivent fournir un échantillon de gargarisme pour un test de dépistage de la Covid-19. On peut pratiquer à la maison avec de l'eau au moins 2 heures avant le test, particulièrement les jeunes enfants. Il ne faut ni manger, ni boire, mâcher de la gomme, ni se brosser les dents dans l'heure qui précède le test. Tu peux t'asseoir ou rester debout pour la collecte de l'échantillon. Avant de commencer, tout le monde doit porter un masque, sauf si vous êtes à une clinique extérieure ou au volant, et se laver les mains avec du savon et de l'eau ou utiliser un désinfectant pour les mains. Le fournisseur de soins vous remettra un petit flacon d'eau salée et un contenant pour recueillir l'échantillon. Enlevez le capuchon du flacon rose en le tenant entre votre pouce et votre index. L'enfant doit enlever son masque. Il doit pencher la tête en arrière et ouvrir grand la bouche. Pressez fermement le flacon pour verser toute l'eau dans la bouche de l'enfant. L'eau aura un goût salé, un peu comme l'eau de mer. Certains enfants pourront le faire eux-mêmes. Assure-toi de ne pas avaler, de ne pas parler et de ne pas cracher. On remet son masque. On se rince la bouche avec l'eau salée pendant environ 5 secondes. Puis, on penche la tête en arrière et on se gargarisme pendant 5 secondes encore. On recommence ce cycle 2 autres fois, pendant 5 secondes à chaque fois. Cela devrait prendre environ 20 secondes. Les enfants plus jeunes peuvent cracher l'eau salée dans le récipient en forme d'entonnoir que vous tiendrez dans la main. Les plus vieux peuvent recracher la solution eux-mêmes dans le récipient en faisant attention. Placez le contenant sur une surface plane, selon les directives qu'on vous a données, ou remettez-le au fournisseur de soins. N'oublie pas de te laver les mains. Souviens-toi que ce n'est pas parce que tu as fait ce test que tu as le virus. Merci d'être venu faire le test. C'est fini !